Une tragédie a secoué les fans de Demain nous appartient en cette deuxième semaine du mois d'octobre 2020 sur TF1. Leïla Bediar, personnage incarné par Samira Lachab depuis les débuts de la série en 2017, a succombé à un accident. Vers une nouvelle tragédie. Alors que Samuel et les Bediar étaient plongés dans un profond chagrin, une nouvelle catastrophe a frappé cette. De nombreux habitants de la ville érotaise, participant à une expédition d'urbex, ont été piégés par un éboulement dans une grotte. L'intrigue est prévue pour s'étendre sur plusieurs jours et elle ne sera pas sans conséquences pour Judith, Victoire, Georges, Amanda, Ulysse, Clémentine et Sacha. Un incident grave va survenir. Samuel et Leïla privés d'adieu, Demain nous appartient fera, en parallèle, définitivement ses adieux à Leïla. Bilal se charge de l'organisation des funérailles. La figure historique de DNA sera enterrée au cimetière marin aux côtés de son fils Lies, décédé en 2017. Samuel, qui venait de prendre un nouveau départ avec Alma sur le plan sentimental, n'y est pas le bienvenu. Nour s'oppose fermement à sa présence aux obsèques. Samuel, déterminé à ne pas en rester là, va faire valoir ses droits de pouvoir adieu à Leïla. Selon lui, personne ne pourra l'en empêcher.